roll up, I'll roll up, shorty, I'll roll up, I'll roll up, I'll roll up. Ok. Je m'appelle Okou Claude, à mon nom à l'étage du deux. Je suis le coach principal du lycée Kekouk. Je m'appelle bientôt 4 ans que le centre est sur pied. Au sein du centre, je suis celui qui fait la programmation de toute de l'activité sportive. Donc en même temps, la place du directeur technique, puis la mise en œuvre. Et nous sommes, nous avons 4 catégories. La catégorie des U19, les U17, les U15 et les U13. Avec ceux-là que nous évoluons. Et à notre sein, chaque catégorie a son entraîneur. Donc, ce qui sous-entend que nous sommes 4 entraîneurs, chacun dans une catégorie différente. Mais je suis moi qui dirige l'équipe A, c'est-à-dire les U19. Et le centre, nous nous entraînons en fonction du programme, les plus grands s'entraînent 4 fois dans la semaine, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, et les minimes également, puisque la plupart sont des élèves, alors les mercredis, les samedis et les dimanches, les 8-13 également. Nos 8-17 et la 8-19 ont le même programme. Et le tout est sous la houlette du président, M. Charles Traoré, donc le président du bureau exécutif. Et pour, en ce qui concerne les membres fondateurs, je préfère que ce soit confidentiel puisque la structure a aussi un droit de réserve. Alors, je suppose que la structure existe dans les présidents fondateurs, mais pour l'instant, je préfère qu'on taise leur nom et qu'on parle du bureau exécutif qui est dirigé par le président Tiaka Traoré. C'est lui qui, au jour d'aujourd'hui, son bureau est lui qui prend, sinon qui met. C'est lui celui qui pimait, il est au bout au moulin, c'est lui qui s'occupe de toutes les charges de ce centre-là. Il est, je dirais, l'homme à tout faire, le plan financier. Il est pratiquement seul, alors que les activités sont énormes. Nous avons assez de charges. Les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes et que c'est lui qui s'assure seul. On n'a pas de sponsor, on n'a pas d'aide extérieure, on n'a pas de partenaires. C'est lui seul qui s'occupe de ça. Et en dehors des charges énormes que le président a, nous avons un souci, nous avons assez de soucis d'infrastructure. Vous savez que la capitale et les gauches ont assez de centres de formation. Nous avons des structures didactiques, surtout terrain d'entraînement que nous manquons. Et tout ça fait aujourd'hui que nos enfants s'épanouissent difficilement. Parce que quand vous n'avez pas d'infrastructure adéquate, tout vous permet de vous exprimer, vraiment ça retarde un peu le travail que vous allez donner. Sinon, l'objectif que vous serez fixé. Si vous n'avez pas d'infrastructure, c'est un peu difficile pour l'atteindre. Mais nous faisons avec. Voilà pourquoi nous demandons des apports. Nous souhaitons des apports extérieurs qui puissent nous mettre dans des conditions minimales pour travailler. Nous avons le matériel, nous avons les ballons, nous avons les codes, les tenues d'entraînement. Nous avons tout ce petit minimum là pour travailler, je crois qu'on sera plus à l'aise. Et si la cerise sur le gâteau, si nous avons un terrain à nous-mêmes, ce sera encore plus intéressant. Mais pour le moment, ce sont ces problèmes auxquels nous faisons face. Nous sommes beaucoup ambitieux.
Mais toute ambition a besoin de moyens. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Certaines ambitions sont grandes. Nous sommes obligés de faire avec les moyens de bord que nous avons. Voilà pourquoi nous sollicitons l'apport des partenaires, des amis extérieurs, des hommes de bonne volonté qui voudront, en plus du président, pourront nous faire face pour que nous également, dans notre tâche, nous soyons plus à l'aise en notre travail. Vous convenez avec moi que pour qu'il y ait une bonne maison, il faut que la maison ait un bon sous-bâtiment. Le sous-bâtiment pour nous qui sommes les entraîneurs, qui sommes sur le terrain, c'est le matériel. C'est le matériel. C'est ça, je suis venu des clients. Le président est pratiquement seul. Imaginez-vous les quatre catégories. Quatre catégories, il faut au minimum 40 ballons. Puis chaque catégorie doit sortir avec 10 ballons. Et l'espace que nous avons, vraiment, ne nous. I'll roll up. Moi, c'est bien, je suis le président. J'ai les hommes, je suis content parce que j'ai les hommes capables. J'ai les hommes avec qui je travaille. Ce sont les hommes qui sont confiants, qui sont sérieux dans tout ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, là, c'est une histoire de. On va monter là, on va arranger pour le moment. Si les jours à venir, on fera quelque chose de potable plus que ça. Enfin, depuis la catégorie des U15, et progressivement, on les fait monter en fonction de leur rendement. Mais quand ils arrivent, à la catégorie des U19, où ils doivent maintenant sortir et prioriser leur savoir-faire, on pose encore d'autres problèmes. Il faut caser encore ces enfants, il faut leur trouver des portes de sortie. Il faut qu'ils aillent en club, pour nous démontrer un peu leur savoir-faire après un nombre d'années passées dans les camps. Banana Lac, Ziggy, milieu défensif. C'est doux. Eh, ouais, Pete là. Eh, les deux là. En baladeur, vous avez compris. Côté, latéral gauche. Bagage. Claire. Eh, Ahmed. Bouillon, latéral droit. Vous avez compris. Allez, ici. Si vous avez mis gain, vous êtes en quoi vous gagnez. En fait, vous envoyez ceux qui ne sont pas tout le là-bas. Ils vous gagnent. Pour encore aller dans ces clubs-là, c'est encore une autre difficulté pour les impôts, leur intégration. Donc, on a une ambition comme ça de rendre le centre en club, pourquoi pas, pour qu'il y ait un canal transitoire pour ces enfants-là. Bon, si nous cherchons des partenariats qui sont, c'est exactement qui est dans nos ambitions également, à savoir s'affilier à un club ou bien signer un partenariat avec un club où les enfants qui, après leur formation, puissent s'épanouir, jouer, pourquoi pas, commencer même en DH, en D2, en D3, voire en première division. C'est pour ça que nous sommes ouverts, nous voulons se faire la même chose. Nos projets, sinon nos ambitions à court terme, c'est ça. Et à long terme, nous souhaiterons avoir des partenaires extérieurs qui pourront aider nos équipes à s'expatrier. Parce que si les enfants jouent, quelques-uns parmi eux ont des portes de sortie, aller à l'extérieur, cela pourra encore motiver leurs camarades qui sont à la base ici. Je dis que si on travaille, voilà où nous allons arriver. Ce cadre-là va permettre à ces enfants d'être encore plus motivés. Et nous également, ça va nous servir pour avoir des moyens, plus sur leur sortie, au cours de leur sortie, sinon dans leur mouvement à l'extérieur, en ayant des clubs professionnels,
il y aura des retombées évidemment qui pourront aider ces centres-là vraiment à s'autosuffire, à pouvoir faire face à toutes ces charges. Malgré les maigres moyens, nous sommes là, nous qui sommes les formateurs sur le terrain, nous sommes motivés, mais motivation sans moyens, sera vraiment bien. Nous demandons vraiment l'apport des amis, l'apport des personnes extérieures qui s'y connaissent dans le football, avec qui nous voudrons même avoir, sinon signer, des contrats de partenariat gagnant-gagnant, où vous venez que... J'ai maintenant 4 ans, j'ai 12 ans, je joue à TNT, je joue latéral. Je m'appelle Yao Amoni Henri Martial. J'ai 11 ans. Je joue latéral gauche. Je m'appelle Tonga Kwame Prosper. J'ai 11 ans. Je joue milieu offensif. Catégorie petite. Alors. Je me nomme Tonga Moussa. J'ai 10 ans. Je joue au CFC depuis 2007. Mon milieu, mon poste, c'est le milieu offensif. Le cadeau petit. Tonga Kwame Prosper. Je joue au FIFA, j'ai 12 ans. Je joue attaquant de pointe, catégorie petit. J'ai le nom qui est à la table. J'ai 11 ans. Je joue à ce truc. Mon poste est latéral droit, catégorie petit. Je me nomme Ili Arman. Je joue à ce truc il y a 3 ans. Mon poste est mieux offensif. Catégorie? Catégorie petit. Okay. Je me nomme Papou Jean-Marc Delin. Je joue à ce truc depuis 3 ans. J'ai 11 ans, catégorie pupille. Mon poste est Eli. Actuellement, capitaine du sport, en catégorie pupille. Je suis au CFU depuis 2009. J'ai 11 ans. J'ai maintenant connu mon joueur de CFU, catégorie U15. J'ai 10 ans. Depuis 2007. Mon poste est Eli. Quelle catégorie? Catégorie. Je suis au CFU, catégorie petit. Catégorie petit. Je me lance au Népareil. J'ai 10 ans. Je joue au Népareil. Catégorie petit. Je me lance du monde à la fin. J'ai 12 ans. Je joue au CFU. Catégorie petit. J'ai 10 ans. Je suis 2009. Catégorie petit. Je suis au Népareil. L'équipe est composée de 4 catégories. On a les petits, les pupilles, les mignons, les cadets, les plus juniors. L'équipe est créée sur mon initiative. Je travaille avec M.
le chat catholique est le président, lui également fondateur. Et nous sommes là depuis 2006, on a quelques nos juniors qui, après 18 ans, certains sont en D2, pour d'autres en D3. Et nos objectifs, sinon nos perspectives, c'est qu'on cherche de l'aide afin de pouvoir organiser cette structure que nous avons déjà mise sur pied. L'équipe, on parle déjà, l'équipe a commencé à se faire connaître. On a participé déjà dans toutes les catégories à deux championnats des tout petits. Quelle année? Depuis 2008, 2009. Nous sommes en 2010, ça fait la quatrième année que nous existons. Quelles étaient les rangs que vous avez occupés pendant les premières compétitions? Bon, pendant ces compétitions, les juniors. Quelles sont voilà, les juniors? Les juniors, dans les catégories, les juniors. Quelle année? En 2009. Et en 2008, en 2009, ils ont joué la finale de la compétition des jeunes des U18 que la fédération ivoirienne a organisée. On était finaliste, on a été malheureusement vaincu. En 2008, par contre, on était demi-finaliste, on a été éliminé en 2003. Bon, en 2007, c'était notre première participation en championnat. 2007, c'est le premier tour que nous avons été éliminés. Dans les autres catégories, en pupille par exemple, en pupille, ils ont été finalistes l'année dernière, finalistes encore malheureux. Cette année, ils sont encore dedans. Nous sommes au second tour où ils sont sortis premiers de leur cours dans les éliminatoires. Les juniors également qui sont premiers de leur cours dans les éliminatoires. Regardez nos minimes qui ont été éliminés au premier tour. Et les enfants se comportent bien, ceux que vous avez vu tout de suite à une salle d'entraînement. Ces enfants-là sont 20. Nous avons 20 petits que nous avons sous la main. On voudrait, après eux, il y a une catégorie des plus fins qui vient encore, mais nous cherchons des moyens pour pouvoir encadrer ces jeunes gens. Vous voyez les conditions dans lesquelles on a un siège, on a un terrain, mais un terrain qui reste à désirer. Si on avait des gens pour nous aider, afin qu'on ait nous-mêmes notre terrain d'entraînement, vraiment ça allait nous arranger. Et nous sommes trois entraîneurs, l'entraîneur des cadets et des minimes qui n'est pas là ce matin parce qu'il est allé pour superviser un enfant que nous voulons amener au centre. Donc c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas là. Donc moi je suis l'entraîneur principal, je suis avec les juniors et les cadets. Les trois autres sont en poussin, pupille et puis en minime. Je crois que c'est notre un siège. L'équipe est vraiment fait. Sur le plan organisationnel, on fait comme on peut, seulement qu'on cherche des moyens. On peut avoir des partenaires extérieurs qui vont nous aider, nous donner un coup de main pour plus véritablement asseoir un grand centre. C'est nos objectifs les plus récurrents. Là, sur le plan didactique, on manque vraiment des moyens, donc on a vraiment suffisamment pas de ballons. Le terrain sur lequel on joue, pour une balle que nous achetons à 15 000, la balle en un mois, voire deux, le ballon est usé. Imaginez-vous une balle à 15 000, on a besoin de 10 ballons à chaque séance. Et si ça doit s'user en un mois, vous voyez un peu, c'est une seule personne, c'est le président, seul, M. Travolé Chaka, seul qui est déjà quatre pour vraiment s'occuper de sa santé. Lui seul est scellé pour une centaine de pensionnaires dans les différentes catégories. On a quatre catégories, peut-être on commence avec les tout petits maintenant. Ça les ajoute déjà à l'effectif que nous avons, les enfants. Et c'est la seule personne qui s'occupe d'eux. Vraiment, c'est un peu difficile. Donc, on cherche vraiment des aides pour que ces enfants-là, certains, qui ne font plus à l'école, qui sont déscolarisés, pour qu'on les fasse, pour qu'on les aide à sortir vraiment de la rue. C'est notre objectif premier. Voilà un peu. Vous investissez et vous espérez que dans les retombées que la partition se fasse à part égale, nous sommes pour, on en cherche
Nous, notre ambition même à long terme, c'est avoir des relations extérieures. Des relations extérieures qui pourront faire que nous pourrons faire face non seulement à ces jeunes gens qui, la plupart, sont démunis, n'ont pas les moyens financiers, ils sont issus des familles un peu pauvres, très souvent. C'est déplorable, mais c'est le constat que nous faisons sur le terrain. Qui voulait que moi je sois votre modèle? J'ai bien compris. Lâchez-moi les baskets et laissez-moi vivre ma vie. Venez m'embrasser si le cœur vous en dit. Marquez-moi un dit. J'en ai plus pas. Tu as donné un peu d'espace à la défense et elle sort de là. Il faut que vous vous concentrez. Il faut d'abord qu'on joue en bloc. On perd le ballon depuis à partir de la médiane, les défenseurs. Même on peut commencer à former notre zone même à partir de la médiane. Pour vous les défenseurs. Les gens restent. Je pense que vous avez cadré le point. Mais je ne veux pas voir espace entre les milieux de terrain et les défenseurs ou bien les milieux de terrain et les attaquants. Si vous créez l'espace, vous allez les voir jouer. Mais la terreau ne considère pas ce terrain comme un terrain d'habitant. Il est bien vaste. Donc pour que je fasse une montée, quand je fais une, deux, et puis, je viens de récupérer. Faire comme habitant où je vais une fois, je vais deux fois, je vais trois fois, je vais quatre fois. En 20 minutes, si tu vas quatre fois, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Il faut pouvoir gérer, pouvoir partir. Partir chaque fois en fonction du ballon. Ne pas partir parce qu'il faut partir. On ne sait jamais. Le jour de son jour, on ne connaît pas. Il faut paraphraser, mettre. On peut faire ces petits matchs amicaux là. Et puis, ça peut ressembler à une forte position. C'est la détermination que vous allez mettre. Amical, ça a tout dérangé. Rien de gaucher qui était dans le 10 de la saison, ajouté sous le 10. Et maintenant, dans l'effectif, c'est leur droit de 1, alors qu'il est seulement une semaine. Quand c'est ton jour, il n'y a plus rien de plus fait. On a vu le 9 minutes, jamais qu'un match. Vous qui êtes un peu plus jeune, c'est encore une part belle pour vous parce que c'est catégorie. Là-bas, la compétition, là, il est beaucoup jeune, il ressemble un peu à ça. C'est une occasion. Ils sont à la fin de leur tunnel. Là, c'est une fin de tunnel. Je pense que c'est une occasion. Et puis, si vous voulez avoir peur, mon problème, c'est que vous avez peur quand vous Vous avez peur, au moins c'est fini. Bon, ils vont quand même. Vous même vous créez une situation qui va vous occuper. Au même titre que nous là, on doit être sûr que cette équipe va faire la place. Au pire des cas, on peut faire une bonne prestation. Les gars, on s'en va. Et que toi, tu as dit après, tu vas suivre au poste. Quand il sait là, tous ceux qui sont dans le dos, comme. Mais tout ça, ceux qui sortent, que tu sais, tu fais rien dans ton boulevard, on a mis au ballon. Alors que pressé là, c'était bon. Si
Dieu continue de recruter les prophètes de Dieu dans ton dos, c'est pas normal, c'est des sales sales à ta paysage. Ne pouvez plus se laisser en terre, parce que vous parlez pour parler. Vous, chacun crie sur son gars. Personne n'est indulgent même. Et puis les conseils que vous voulez faire passer là, si vous le faites avec la force, comment vous voulez que celui qui dit votre partenaire qui vous écoute, comment vous voulez qu'il prenne attention? Parlez-vous un peu sérieusement. Toi, reviens ou bien replace-toi ici. Toi, c'est ici, et puis on s'était. Il a loupé, mon gars, reviens. Vous êtes en train de vous engueuler dans le vide là. Nous qui sommes devant, les gars, si on ne peut pas garder le ballon devant, ça va être compliqué. Hein? Regardez. Attaquant, tu es devant, on te donne une occasion nette. Si ça passe, ça, c'est pas attaquant. Attaquant, là, il tire, et puis on dit il est égoïste, il a raté. Attaquant, passeur, quoi. Les milieux de terrain là, eux, ils sont là pour quoi? C'est que le c'est plus faux. Nous participons au championnat de, à la santé des familles. Moins de 45 Continue.
dit qu'il avait dans. Tu as joué le grand dans les couloirs là. Amen. Tu as envoyé combien de ballons depuis on joue là? Casser la caméra. Mais vite,
La meilleure façon pour les avoir, c'est de jouer le coup. On évolue dans la vie. Après le contact, il y a plus de crasse qu'on est. Au bout de l'époque, il y a plus de crasse qu'on est. Your diamond, yeah, luggage up, calling my cell phone.